on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester un mascara de chez Action. Donc c'est celui-là, hop, le Max & More Volume. Donc il y a une étude qui est sortie. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, commentez, enfin blablabla, comme d'hab quoi. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas. Donc du coup, il arrive en deuxième position après le mascara Yves Saint Laurent et juste avant le Lancôme. Donc franchement, on va essayer ça de suite, mais bon, c'est pas mal, hein, parce qu'il coûte, je vous ai pas dit, il coûte 1,49€. Donc alors que les autres mascaras, là, le Yves Saint Laurent et le Lancôme, ils sont dans les 30€. Donc on va voir ça de suite, hein. Déjà si j'arrive à l'ouvrir. J'ai jamais acheté de mascara de chez Action. Donc on va voir. J'espère que je ne vais pas faire une allergie ou quelque chose comme ça. Parce que moi j'ai une peau et des yeux sensibles. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, il se présente comme ça. Hop. La brosse, elle est comme ça. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais faire un œil oui, un œil non. On verra bien la différence. Alors, je ne sais pas me louper. Longtemps que j'ai pas mis de mascara, je me maquille plus depuis un moment. Déjà, il est facile à appliquer, il fait pas de paquet. Et avant, ce que j'utilisais, c'était le Benefit. Je crois que je le payais dans les 32€, il me semble. Ouais. Je sais pas si on va. Ah, si, on voit bien la différence. Hop. Ah, je vais faire les cils du bas. Bon, c'est pas, ça soit pas trop. Alors franchement, ouais, il est bien. Je sais pas si vous voyez la différence, donc avec et sans. Après, niveau volume, il est bien. Il donne pas mal de volume, mais niveau épaisseur, pas tant que ça. Mais franchement, ça va pour 1,49€, ouais. Ah ouais, franchement, n'hésitez pas. Je suis choquée niveau longueur. Ça se voit pas trop. Ah, si, quand même, ça se voit. La caméra, ça se voit moins, mais. Donc, voilà. Bah, je vais faire le deuxième œil en tant qu'affaire. Pour 1,49€, ouais, il vaut bien ceux de qu'on paye plus cher. Deuxième œil fait, oh ben je l'ai mieux fait. J'ai toujours du mal à faire celui-là, que ce soit pour le crayon ou pour le mascara, à chaque fois je galère. Enfin, je galère parce que je me maquille plus, mais bon. Hop, voilà, franchement, super.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un pouce bleu et à demain 18h pour une prochaine vidéo. Ciao!